Bonjour, nous vous remercions de nous accorder cet instant pour vous expliquer notre quotidien en tant qu'auxiliaire de vie et aide-soignant. Nous, SAD, structure d'aide et d'accompagnement à domicile, nous sommes aussi au quotidien auprès de vos aînés et vos familles. Dans cette situation de confinement, il est important pour nous de faire reconnaître notre métier, mais également son utilité. Vos aînés, vos parents, nous les accompagnons chaque jour au quotidien. Nous, aide à domicile, c'est un cri d'alarme et un appel au secours que nous lançons. Nous sommes malheureusement les grands oubliés de la nation. En effet, nous devons lutter chaque jour pour nous équiper, obtenir des masques, du gel, des tabliers, des surchaussures, des charlottes. Il est difficile d'imaginer d'apporter un soin, une toilette ou une aide au repas en ayant une distance d'un mètre. La solidarité avec certaines entreprises s'est organisée. Néanmoins, nous devons sans cesse expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et surtout, nous voulons vous sensibiliser sur les difficultés que nous éprouvons au quotidien. En effet, tout comme en EHPAD, nous souhaitons que le confinement soit respecté à domicile. Nous vous demandons de ne pas mettre vos aînés en danger, mais également notre sécurité. Nicolas, 39 ans. Pour ma part, j'ai fait le choix d'être à côté de vos aînés, au détriment de mes petits loups. Pour les protéger, je les verrai qu'après le confinement. Élodie, 40 ans. Je fais le sacrifice de ne pas voir les miens, de ne pas voir ma famille durant tout le confinement. S'il vous plaît, faites de même. Fatia, 52 ans. Je remercie au nom de toute l'équipe les personnes généreuses qui nous ont fait des dons gracieusement. Aurélie, 40 ans. Je voulais mettre en avant la solidarité qui s'est créée naturellement au sein de l'équipe. Je remercie également notre hiérarchie pour son soutien et sa bataille afin de nous trouver du matériel. Je souhaite également remercier nos familles, nos amis et des inconnus pour leurs messages de soutien que nous rencontrons sur les réseaux sociaux ou autres. Durant ce confinement, nous sommes là, présents, auprès de vos aînés, afin de les rassurer pendant cette période de solitude forcée. Protégez-les, protégez-nous.